du mouvement dans les œuvres, c'est par cette phrase que l'on peut symboliser la Nuit européenne des musées qui s'est déroulée dans la capitale gardoise dans la soirée du 19 au 20 mai. Au Carré d'Art, dans les salles du Centre Contemporain, Anne et François Lopez ont posé leur compagnie qui a permis, avec une technologie avant-gardiste composée de caméras et de systèmes de diffusion, de regrouper 6 danseurs dans une fresque baptisée « Télescopage insolite ». Entre un public réceptif et des chorégraphes inventifs, le musée s'est prêté au champ artistique d'un univers inexploré. Pour la curiosité des amateurs de soirées originales, succès garanti. Thank you.
Autre moment fort de cette nuit européenne des musées, dans un registre plus pédagogique, nous avons suivi Nathalie et Vincent, tous les deux attachés au musée des Beaux-Arts de Nîmes, pour une visite savamment préparée concernant l'aménagement d'une exposition, le déménagement des tableaux ou la restauration des cadres. Quand on la regarde de près, à la loupe et avec un certain éclairage, ça doit se voir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas exactement reprendre le même matériau et peindre de la même manière. En général, si vous regardez vraiment de près, les parties restaurées sont visibles. Pas à l'œil nu comme ça, mais il faut regarder un peu de près. La réversibilité, ça aussi. Aujourd'hui, quand on fait une restauration, on fait un diagnostic sur l'œuvre. On étudie le matériau, le support, etc. Les problèmes qu'il y a eu sur l'œuvre, les manières de les traiter. Mais ce qui a été fait au 19e siècle, aujourd'hui, on considère que c'est une catastrophe, il faut tout redéfaire, tout refaire. Donc peut-être que ce qu'on fait nous aujourd'hui, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, on considérera également que c'est à reprendre. Je vais prendre un bout de feuille que je vais attraper avec la brosse à dorer. Un peu comme ça, comme ça. N'essayez pas avec les doigts, c'est une catastrophe. Et on va poser la feuille sur l'élément décoratif. On va l'aider un petit peu avec l'appuyeu. Enchaîne. On enlève tous les coups. De façon à ce que les petits grains, quand on va poser la feuille, ne percent pas la feuille et ne fassent pas défaut. Une fois qu'on a passé le chien,